Salut à tous, c'est Docteur Asenel, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate, moi ça va super. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui je vais vous présenter tous les crustacés, mais vraiment dans leur totalité. Je vous donnerai tout plein d'astuces pour les obtenir et vous donnerai plein de renseignements sur eux. Allez on commence, donc le journal. Crustacés, moi je les ai tous, enfin vous les avez tous, je tiens à préciser que vous avez juste le badge en or et que vous n'avez rien d'autre, hein, pas de maillot en or ou quoi que ce soit, non. Numéro 1. Donc, Wakame, hiver été, à toute heure. Celui-ci n'est pas très rare, mais vous le trouverez quand même chez vous ainsi que sur l'île. Donc, il est énorme, fait presque votre taille et avance tout doucement. Algue raisin de mer, été à toute heure. Alors, celui-là n'est pas rare, hein, vous le trouverez que sur l'île. Il est petit et avance pas. Tout comme l'oursin, été à toute heure. Celui-là est pas rapide du tout, il est pas rare, mais vous le trouverez que sur l'île ainsi que chez vous. Oui, sur l'île ainsi que chez vous, excusez-moi. Donc il est petit, n'avance pas, tout comme l'algue raisin de mer. Voilà, il est pas rare. Balane, pas rare du tout, été toute l'année, pardon, à toute heure. Celui-là vous le trouverez sur l'île ainsi que chez vous. Il est minuscule et avance pas. Voilà, donc huître, automne-hiver, à toute heure, mais pas rare, excusez-moi pour les cris. Il est petit, n'avance pas très vite, et vous le trouverez chez vous ainsi que, pas sur l'île, non, juste chez vous, excusez-moi, non, je sais pas ce que j'ai. Turbo, automne-printemps, nuit-matin, alors celui-là n'est pas rare, vous le trouverez que chez vous, voilà, donc essayez de l'avoir surtout la nuit. Pas trop le matin, juste surtout la nuit. Mais si vous l'êtes appelé le matin, bah, bravo à vous. Voilà. Donc, il est tout petit et avance un tout petit peu. L'ormeau, toute l'année, nuit matin. Alors, celui-là n'est un peu rare, vous le trouverez que chez vous. Il est petit et avance pas très vite. Exactement comme l'oreille de mer, toute l'année, nuit matin. Il est petit et n'avance pas très vite. Vous le trouverez que chez vous aussi, celui-là. Il est pas rare, pas très rare. Palourde, automne-printemps, à toute heure. Celui-là, il est un peu, un tout petit peu rare. Ouais, j'ai un peu. C'est assez compliqué de l'avoir. Vous le trouverez chez vous. Donc voilà, à toute heure, surtout dans l'après-midi ou dans la soirée. Voilà. Donc il est petit, il avance pas trop. Huître perlière, toute l'année à toute heure. Vous le trouverez que chez vous. Il est petit, il avance un tout petit peu, il est pas rare. Et tout ce que j'avais à dire sur lui, il n'est pas rare du tout, mais vous le traperez quand même. Vous le traperez. Alors, la pétoncle, toute l'année à toute heure, n'est pas très rare. Vous trouverez que chez vous. Et quand vous l'aurez attrapé, bah déjà félicitations car il est énorme et il va ultra vite. Et bien, bah, il y aura en plus quelqu'un qui va venir vous rendre, vous voir dans l'eau. Il va vous parler, il va vous dire ah tiens, tu as attrapé ça, tu peux me la passer, man. Bref, voilà, je vous laisse la surprise. L'anémone de mer, toute l'année à toute heure, n'est pas très rare, vous la trouverez chez vous ainsi que sur l'île, voilà, il est assez gros mais n'avance pas. L'étoile de mer, toute l'année à toute heure, vous trouverez chez vous ainsi que sur l'île, elle n'est pas très rare, il est assez petit et n'avance presque pas. Cocope de mer, hiver, printemps à toute heure, rare, faut que je le dise, rare. Vous le trouverez surtout la nuit, moi je le trouverai la nuit, et vous le trouverez que chez vous. Il est moyen, on va dire, et il est très lent, bon, il est très lent, j'allais dire il est rapide. Mais non. Limace de mer, vous la trouverez que sur l'île, toute l'année, à toute heure. Il est petit, n'est pas lent, vous le trouverez que sur l'île, comme je disais, et il n'est pas rare du tout. Passons au suivant. Vert plat, été, nuit matin, vous le trouverez surtout la nuit, vous le trouverez chez moi ainsi que sur l'île, il n'est pas rare. Et il va tout doucement, il est tout petit, voilà. La crevette menthe, toute l'année, nuit matin, celui-là n'est pas rare. Il est surtout vers les côtes et
surtout chez vous, je crois, mais vous le trouverez aussi sur l'île. Tout comme la crevette nordique. Automne, printemps, nuit, matin, il n'est pas rare du tout, mais vous le trouverez que chez vous. Vous le trouverez surtout la nuit. Alors, j'avance. Alors, crevette tigrée, été, automne, nuit, matin, pas rare. Vous le trouverez surtout chez vous. Il est petit et n'avance pas très vite. La langouste, automne, hiver, nuit, vous le trouverez surtout en hiver, la nuit, bah c'est aussi. Il est énorme et il fait presque votre taille. Il va très très vite. Et si vous l'attrapez, bah déjà bravo. Hein. Moi, c'est le dernier que j'ai attrapé, c'est celui auquel j'ai presque le plus galéré. Donc voilà, il est très rare. Homard, toute l'année à toute heure. Il est pas rare du tout, vous le trouverez sur l'île ainsi que chez vous. Mais surtout sur l'île, voilà, il est énorme, presque votre taille. Il est assez rapide. Et voilà, il est pas rare. Alors, le crabe des neiges. Hiver, printemps, à toute heure, n'est un petit peu rare. Il est assez gros, il fait pas votre taille, mais il est gros, il est un petit peu rapide. Et vous trouverez chez vous ainsi que sur l'île. Le crapelu, hiver, printemps, à toute heure, un peu rare. Un tout petit peu, voilà, vous le trouverez surtout dans la soirée. Donc il est assez petit. Et il avance tout doucement. Mais il avance quand même. Le crabe royal, assez rare. Hiver, printemps, à toute heure. Il est moyen. Il est un petit, assez gros quand même. Il avance assez vite. Et il est assez rare. Crabe araignée géant. Printemps, à toute heure. Rare. Même très rare. Vous le trouverez chez moi ainsi que sur l'île. Il est très gros. Fait votre taille et va ultra vite. Bravo si vous l'attrapez. Poulpe. Automne, printemps, à toute heure. Il est moyen. Il fait la même taille presque que le crabe royal. Il va assez vite. Voilà, donc vous le trouverez sur l'île. Et c'est tout ce que je vais vous dire à propos de ça. Si. Anguille de jardin. Été à toute heure. Pas très rare. Vous le trouverez chez... sur l'île, très proche chez vous. Il est petit et avance un petit peu, pas trop haut. Nautile, l'été à toute heure, pas très rare, un petit peu quand même, hein, ça dépend. Si vous avez de la chance, moi j'ai beaucoup de chance de l'attraper plein de fois. Il est dans un bocal à part, dans le musée, quand vous mettez au musée, il est dans un grand truc à part, donc il est tout seul. Il est surtout sur l'île, mais vous le trouverez chez vous aussi. Et il est assez rare, comme je le disais. Suivant. Limule, l'été, nuit. Alors, lui, il est un petit peu rare quand même. Enfin, elle plutôt. Vous la trouverez chez vous et pas sur l'île. Donc, si vous ne le trouvez pas, ça ne sert à rien d'aller sur l'île. Vous ne la trouverez pas. Il est assez petit et avance un petit peu vite quand même. Et pour finir, nous avons la Batinum géant. Été à toute heure. Un petit peu rare quand même. Quand vous l'attrapez, l'attrapez que sur l'île, hein, et ben il est énorme et il est assez rapide. Il fait peut-être pas votre taille, mais il est énorme quand même. Quand vous l'attrapez, oui, voilà. Quand vous l'attrapez, et ben la voix off, celle qui dit tu as attrapé un crustacé, et ben il va dire waouh, voilà, comme la Ducalma prima pour les insectes et le requin baleine pour les poissons. Donc celui-là, c'est pour les crustacés. Et nous avons terminé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi et qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être tuto ou sur île. Je vous dis donc à bientôt.